Je n'ai pas choisi mon métier, j'aurais bien conjuré mon sort pour ne jamais me retrouver à devoir maquiller un mort. On m'a légué en héritage la reprise de l'entreprise, l'avenir dans le sarcophage. La fin ne connaît pas la crise. À l'arrière de l'arrière-boutique, séparé par un grand rideau, se cache le bureau fatidique, les formulaires et le fourneau. J'entretiens les conversations entre un croquant et des mortels. Dans l'attente de leur confession, le nez plongé dans la dentelle. Mon gagne-pain pour envie quand tout s'arrête, car je suis le couturier des grandes fêtes. Je suis styliste réputé du grand gala des RIP. Je ne suis donc pas peu fier de costumer des stalactites en euphorie ou en enfer, ils se doivent être au zénith. Mais ne croyez pas la légende qui viendrait troubler leur sommeil. Je ne leur mords pas l'entrejambe, je ne leur croque jamais l'orteil. Je ne suis pas macabre morbleu, mais un adjoint bien agréable. Tous mes défunts, ces grands chanceux, je les invite à ma table. Mon gagne-pain pour envie quand tout s'arrête, car je suis le couturier des grandes fêtes. Je suis styliste réputé du grand gala des RIP. Le jour de mon repos glacial, je pourrai embrasser mon sort comme au grand soir de carnaval, me travestir en croque-mort. Pourvu que monsieur Maccabée, madame Lacroix, mamselle Lenoir m'accueillent pour les festivités derrière la porte du crématoire. Pour le dîner dans les ténèbres, que l'on me verse en grande pompe champagne le plus funèbre, je suis quand même, si je ne me trompe, le styliste le plus prisé, le maquilleur des décédés, le grand ami des oubliés, moi l'artiste des bois lustrés. Moi, la really important personality.